Ne rentre pas encore. Nous sommes toujours dans l'adoration. Et dans la louange. Dans la louange continue. À présent, nous voulons recevoir la parole du Seigneur. La parole d'aujourd'hui, c'est une parole spéciale. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai l'honneur de vous présenter l'oratrice. Ça ne sera pas un orateur, mais une oratrice. Une oratrice spéciale. Spéciale. Remplie du Saint-Esprit. Revêtue du Saint-Esprit. Une messagère. De la bonne nouvelle. Une jeune messagère. Formée par la JCC. Consacrée à la CIFMC. J'ai l'honneur d'appeler sur ce podium la messagère de la bonne nouvelle de la promotion Lydie, chantre de l'Éternel, à la personne de Axa Olangi. JCC, celui qui nous a rassemblés.
celui qui nous a ramassés dans les boîtes de nuit, celui qui nous a ramassés dans l'impudicité, il a fait de nous ses serviteurs et ses servantes. Il est un Dieu puissant. Il est digne d'être acclamé, d'être loué, d'être célébré et d'être exalté. Il est présent au milieu de nous. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est présent. Dis à quelqu'un à tes côtés, Jésus-Christ est présent. C'est une adoration spéciale. Où la JCC clôture ce séminaire. Et la jeunesse, la JCC aujourd'hui, c'est l'avenir du ministère. C'est l'avenir du ministère. Et nous croyons que ce soir, à la clôture de ce séminaire de la JCC, c'est le début de beaucoup de choses. C'est le début de beaucoup de choses dans ce ministère. C'est le début de beaucoup de choses. C'est l'éclosion, même si on peut le dire. Amen, amen, amen. Si tu crois que Jésus-Christ est là, nous allons élever nos mains dans sa présence. Nous allons juste lui dire, Azam au saint, moi n'en a pas tena nzambi. Zoua lokumu. Qu'il reçoive la gloire. Alors que nous chantons cette chanson, nous réalisons qu'il est présent et que c'est lui qui va nous parler ce soir. Alors que nous chantons cette chanson, nous avons la ferme assurance qu'il est là. Et que nous n'allons pas rentrer dans nos maisons telles que nous sommes venus. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est présent. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ est là. Pour nous toucher, pour nous parler, pour nous faire du bien. Hasard réellement, moi n'en a pas été. Nous voulons chanter Alléluia avec les anges. Nous voulons chanter Alléluia, moi n'en a pas été. Oh, avant d'y naquitte, y'a beaucoup d'inaïe. Il est le seul qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être magnifié. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous élevons nos mains dans sa présence car il est là. Moi n'a pas Nanzambe Zoua Lokumu Obongi Nakembo Yomo Santu Mo Santu. Moi n'a pas été Nzambe Zoua Lokumu Zoua Lokumu Obongi Nakembo Yo mon sang toué Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, d'être exalté cet après-midi. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Toi qui as appelé nos parents, Seigneur, tu as accordé une vision à ta servante, Seigneur, et tu as touché son mari pour l'accompagner. Nous avons vu ta gloire dans ce ministère. Nous avons vu des miracles dans ce ministère. Nous avons vu ta puissance dans ce ministère. Nous avons vu les malades être guéris dans ce ministère. Nous avons vu les célibataires être mariés dans ce ministère. Nous avons vu les stériles, Seigneur, mettre au monde par ta main puissante, Seigneur. Raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, nous venons t'élever, te magnifier, te dire que tu es un Dieu merveilleux.
Toi qui as appelé la jeunesse à des grandes choses. Toi qui nous as appelés pour de grandes choses. Nous savons que tu es là ce soir pour nous faire du bien, pour nous parler. Le Dieu de nos parents, le couple Olangi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui étais avec Abraham, Isaac et Jacob. Toi qui étais avec le couple Olangi dans ce ministère. Aujourd'hui tu es avec nous. Aujourd'hui tu es là. Aujourd'hui tu es présent. Ce Dieu que ce couple a servi sous cet autel, tu es présent ce soir. Raison pour laquelle nous t'acclamons, nous t'accueillons, nous te célébrons et nous poussons des cris de joie en ton honneur. Et ensemble nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nous rentrons dans nos places et nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Je remercie le maître Olivier qui m'a introduit. Dans sa présentation, il a tout dit. Mais je veux encore me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la sœur Aksa Olangi. Par la grâce de Dieu, je suis la servante de Dieu. Je suis de la promotion Lydie à la CIFMC. Est-ce qu'il y a les Lydie dans cette salle? Est-ce que Lydie Bazane est si elles sont là, elles peuvent se manifester. Et à la JCC, je suis encadreur. J'ai suivi ma formation normalement comme tous les JCC. À l'époque, nous étions trop petits quand nous étions au parc. On a commencé avec maman Bernadette. On nous chassait même. Il disait, vous êtes trop petite, pas ici. Nous, on venait seulement. Et puis, au début du ministère, on mélangé avec les adultes et les grands, on suivait les enseignements ensemble. Et nous avons reçu la formation de plusieurs des pionniers. Maman Bernadette, frère Auguste Pambi, frère Bongo. Maman Bernadette, frère Bongo, maman, papa Auguste. Ils sont tellement nombreux. Basé Bélé. Maître Olivier, docteur Rémi, maître Jonathan. Bango Nyosowana. Maman Tite qui est au Gabon. On est passé par tout le monde pour que nous puissions être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et il y a un encadreur spécial que j'aimerais remercier aujourd'hui. C'est le frère Moïse Kafoua. C'est la première classe d'affermissement où j'ai assisté. Quand j'ai fini ma maintenance à la résidence Victoire, on était entré en prière, il fallait prier pour les fonctions d'appui. Et quand j'ai demandé au Seigneur à quoi il m'avait appelé, Dieu m'a dit, je t'ai appelé dans la prédication. Alors il m'a dit, va assister. Quand je suis revenu, j'avais donné mon nom sur la liste des assistants. Et la première classe d'affermissement où j'ai assisté, c'était la classe de frère Moïse Kafoua. J'ai été très bien encadré, très bien formé. Là-bas, nous avons eu l'occasion d'enseigner aussi les affermissements. S'il fallait nous corriger des erreurs, c'est le frère Moïse Kafoua qui nous a encadrés. Et dans ces classes d'affermissement, je bénis le Seigneur parce que la plupart des JCC qui étaient dans cette classe d'affermissement sont devenus des missionnaires. Et la sœur Victoria qui était au Cameroun, ils sont tous devenus des missionnaires. Bien que j'étais très petite à l'époque, en âge, mais spirituellement, Dieu m'avait déjà établi. Et dans cette classe d'affermissement, nous avons enseigné, nous avons assisté et il y a eu des missionnaires, des serviteurs de Dieu qui sont sortis de cette classe d'affermissement. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen, amen. Amen. Je suis aussi chargé du département de la chorale, de la musique à la JCC. À la grâce de Dieu. Et par la grâce du Dieu du couple Olangi qui brise les condamnations. Je suis médecin aujourd'hui. Vous aurez l'occasion d'écouter le témoignage. Avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose au peuple de Dieu. J'aimerais commencer par demander pardon. Parce que durant les obsèques de papa et de maman, dans la chair, nous étions tellement affaiblis, tellement choqués dans le stress. Et humainement, chacun est en train de réagir à sa manière. Alors, il s'est avéré que durant ces obsèques,
il y a eu des attitudes que moi ou ma famille, mes frères et sœurs avions posées qui ont choqué certaines personnes, qui ont blessé certaines personnes. Je viens demander pardon à tout le peuple de Dieu qui a été blessé d'une manière ou d'une autre. Je demande pardon au nom de toute ma famille. Nous sommes vos enfants. Je suis votre fille. Je suis votre petite sœur. Je vous ai blessé. Trouvez la place dans votre cœur pour me pardonner et continuez à prier pour nous. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais parler de mon témoignage et nous allons aussi partager la parole de Dieu. Amen, amen. Depuis le dimanche passé, le thème qui nous a été donné pour ce moment de prière que nous avons passé avec la JCC, fortifie-toi et prends courage. Ce thème a été tiré dans le livre de Josué, le chapitre 1, au 7e verset. La Bible déclare, fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon que toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen. Je pense que mes prédécesseurs, les orateurs, oratrices qui ont enseigné depuis le dimanche, ils ont presque tout dit. Mais comme c'est la clôture aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de faire une conclusion. Ici, il s'agit de Josué. Dieu lui dit, fortifie-toi. Parce qu'il avait une mission. Il y a Moïse, son leader, le visionnaire, qui a été enlevé par Dieu. Et Dieu maintenant dit à Josué, lève-toi. Dieu lui dit de continuer. Et comme Dieu savait que ce n'était pas facile, il a donné des ordres, des promesses à Josué. Il a dit à Josué qu'il allait être avec lui. Et ensuite, il a dit, fortifie-toi. Comme nos prédécesseurs l'ont dit depuis le dimanche passé, nous ici, la grande famille du ministère chrétien du combat spirituel, nous venons de recevoir un choc. Nous venons de recevoir un coup dur qui nous a bouleversés, qui nous a choqués, qui nous a stressés et d'ailleurs qui continue à nous stresser pour certains d'entre nous. Il y a même certains qui n'arrivent pas à se remettre de la vie normale. Mais Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi. C'est ce que Dieu aussi nous dit en ce ministère aujourd'hui depuis le dimanche passé. Dieu dit à la grande famille du ministère du chrétien combat spirituel, fortifiez-vous, fortifiez-vous et prenez courage. Le monde nous regarde, le diable nous regarde, les églises nous regardent, à gauche et à droite on nous regarde. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans ce ministère? Mais Dieu nous dit comme il a dit à Josué, fortifiez-vous, fortifiez-vous et prenez courage. Tu peux dire à quelqu'un ce soir, fortifie-toi. Dis à ton voisin, à ta voisine, fortifie-toi. C'est ça le message qui nous a été donné depuis le dimanche passé. Mais ce que j'aime bien dans ce verset, non seulement qu'il nous demande de se fortifier et d'avoir un bon courage, il nous demande d'agir fidèlement selon toute la loi que Moïse, son serviteur, nous avait prescrite. Aujourd'hui, on peut l'authentifier. On peut dire, en agissant fidèlement, selon ce que le couple Olangi, les visionnaires de ce ministère chrétien du combat spirituel, nous ont enseigné, nous ont formé, nous ont dit. C'est ce que l'Éternel nous dit aujourd'hui. Mais s'il faut se poser la question, entre nous, qu'est-ce que les parents nous ont enseigné? Qu'est-ce que les parents nous ont dit? Parce que Dieu a insisté à Josué. Il a dit, fortifie-toi en agissant fidèlement à la loi que j'ai prescrite à mon serviteur Moïse. À l'époque, c'était Moïse. Aujourd'hui, au ministère chrétien du combat spirituel, c'est le couple Olangi. Cette maman qui a prié pendant 8 ans, qui a cherché la voix de Dieu, qui a cherché la face du Seigneur dans les toilettes, dans les montagnes, qui est monté en prière, en jeûne et en prière, pour chercher la face de Dieu, en abandonnant la distraction. Et Dieu s'est révélé à elle. Dieu lui a donné des instructions, une vision qui est
venu nous sauver, qui est venu te sauver, qui est venu changer ta vie, qui t'a ouvert les yeux spirituels, qui t'a ouvert les oreilles spirituelles, qui a transformé ta vie. Et Dieu dit, ne te fortifie pas seulement pour te dire que je me réveille un matin, je me fortifie. Dieu précise, en agissant fidèlement. Qu'est-ce que maman nous a laissé? Après avoir reçu la vision, maman nous a enseigné beaucoup de choses qu'on ne pourra même pas résumer ce soir. Mais moi je retiens beaucoup de choses. Et ce soir, je vais parler des choses clés qui résument la vision de maman. Maman nous a montré l'amour. Elle nous a montré la compassion. Elle nous a montré l'humilité. Je me rappelle une fois, on était aux orateurs. Maman avait reçu des papas d'une promotion. Ils sont venus de 13h à minuit. Maman avait complètement oublié qu'il y avait des gens qui l'attendaient à l'extérieur. Les protocoles aussi, ce jour-là, avaient oublié d'informer à maman. À un moment donné, à minuit, maman sort. Elle remarque qu'il y avait un groupe de papas qui étaient sous l'arbre. Elle était tellement fatiguée. Elle avait déjà fait beaucoup de réunions. Maintenant, les protocoles aussi. Bah, banane et tout ça. Maintenant, ils vont, ils regardent, c'était des promotions que maman avait appelées. Maman dit, faites-les tous entrer à la salle à manger. Maman les a regardés, c'était des papas, des responsables. Maman a tali bango. Elle a dit, pardonnez-moi. Depuis 12h. Je vous ai fait attendre depuis minuit. Jusqu'à minuit. Pardonnez-moi. Moi j'étais là, je regardais. Mamo Langi. Avec sa elle a 153 sièges qu'elle gère. Elle est connue dans le monde entier. Elle n'a pas regardé tout ça. Elle a prononcé seulement un seul mot. Elle a dit Bolimbisanga. Elle a dit pardonnez-moi. Elle nous a appris l'humilité, la compassion, l'amour, bien-aimé. Et c'est ça l'héritage qu'elle nous a laissé. Bien aimé, c'est bien de dire que je suis au ministère chrétien du combat spirituel. Mais qu'est-ce que tu as retenu d'elle? Qu'est-ce que tu as retenu de Maman Langi? Une femme sage. Avant de dire quelque chose, elle écoutait la voix de Dieu. Tu peux l'emmener un problème, elle dit je vais aller prier. C'est ce que Dieu dit à Josué. En agissant fidèlement à ce que j'ai prescrit à mon serviteur Moïse, nous sommes restés ici. Le ministère encore d'ici 5 ans, 10 ans. Dieu fera encore de grandes choses. Moi, je sais qu'ici, à la 17e rue, les morts vont ressusciter. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Nous allons passer à une étape encore plus supérieure. Parce que les parents ont laissé quelque chose. Et si nous agissons fidèlement, si nous nous fortifions fidèlement à ce que maman nous a laissé, nous verrons la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, agis fidèlement. Maman nous a montré l'amour, la compassion, l'humilité, la patience. Et pour résumer, il y a quelque chose qui fait la spécialité de ce ministère, qui fait la spécialité de cette vision. Cela se trouve dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Comme je l'ai dit, maman nous a laissé beaucoup de choses. Tout ça, je vais juste épingler. Pour montrer ce que Dieu avait dit à Josué, de rester fidèle à ce que Dieu avait dit à ses serviteurs. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, oh my God, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans ce ministère. J'ai retenu auprès de mes parents. Si aujourd'hui, moi, je dois me fortifier en agissant fidèlement, en dehors de ce que je viens de citer, l'amour que maman nous a montré, l'humilité et tout, c'est ce verset. C'est ce qui résume la vision de ce ministère. Maman, dans sa vision, telle qu'elle a parlé à Dieu, elle a voulu nous montrer une seule chose. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Parce que le ministère aujourd'hui, c'est le résultat de l'intimité de Maman Langi avec son Dieu. Le ministère chrétien du combat spirituel aujourd'hui, c'est le produit de l'intimité de Maman Langi avec son Dieu. Pendant 8 ans, elle a cherché ce Dieu. Pendant 8 ans, elle a appliqué 2 Chroniques 7, le verset 14. Pendant 8 ans, elle a prié, elle a jeûné, elle s'est humiliée, elle s'est détournée de la coutume. Et quand Dieu
Dieu l'a regardé. Comme il est écrit, quand tu poses ces attitudes, Dieu l'Éternel t'exaucera des cieux et de la vie de sa servante. Quand elle a appliqué ses principes, Dieu l'a exaucé des cieux. Il n'a pas seulement donné la solution à son foyer, mais tu es là aujourd'hui. Mais tu es là aujourd'hui. Mais tu es là aujourd'hui. Tu es là aujourd'hui. Non seulement que tu es là, tu as vu la main de son Dieu. Les stériles ont mis au monde. Les malades ont été guéris. Nous avons plein de témoignages. Les condamnés ont trouvé la délivrance. Parce qu'il y a une femme qui a cherché l'intimité avec Dieu. Et quand maman a commencé le ministère, elle disait toujours un truc. Pour ceux qui ne comprenaient pas bien. Quand maman disait, je ne suis pas contre les pasteurs. Je ne suis pas contre les prophètes. Je les aime tous. Je les respecte tous. Mais ce que moi je veux dans ce ministère, c'est que toi, peuple de Dieu, humilie-toi, prie, cherche ma face et détourne-toi de tes mauvaises voies afin que je puisse t'exaucer. Elle ne s'est pas arrêtée là. Comme il est écrit dans Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu le sauras quand tu vas en intimité avec le Seigneur. Tu le sauras quand tu cherches la face de Dieu. Quand tu t'humilies dans la présence du Seigneur, Dieu ouvre le ciel. Les anges descendent. Tu reçois une révélation. Tu étais condamné. Tu ne connaissais pas l'origine. Mais quand tu fixes ton regard vers Jésus, pas vers Maman Olangi, pas vers Papa Olangi, mais vers le Dieu du couple Olangi. Et quand tu fixes ton regard vers lui, il ouvre les cieux. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous ne sommes pas un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il les réalise. Il a dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Bien aimé, dans ce ministère, c'est ce que Dieu nous appelait à faire, à le chercher, à s'humilier, à se détourner de toutes les mauvaises voies. Bien-aimé, je suis la sœur Axolangi. J'ai grandi dans cette famille de 7 enfants. J'étais très jeune. J'étais pas turbulente par la grâce de Dieu. J'étais une fille très calme. Une fille qui aimait bien les choses de Dieu. Mais quelque part, le diable me réclamait. Quelque part, la condamnation aux études m'attendait. Quelque part, le diable voulait nous nuire. Je me suis rappelé. Notre maman, c'est vrai, elle était dure au ministère avec vous. Mais avec nous, les Olangi, je ne sais pas si quel pasteur peut se comporter comme ça. Maman était très dure avec nous à un point où des fois on se posait la question, mais Mère Rwandeni, toi tu vois A, elle voit B. On lui a expliqué, je ne suis pas là-bas. Si tu veux lui expliquer, va chercher la face de Dieu. Va prier. Que le compte à Mozindo. Et puis des fois, elle nous disait, ceux qui vont s'embelliter, si vous ne priez pas, vous échouez. Vous allez échouer. Parce que c'est comme ministère. Vous. Je ne serai pas toujours là pour vous. Hein. Ceux qui vont suivre conscience, si vous ne prenez pas conscience, vous échouez. Parce que c'est cabino. Ils vont se moquer de vous. Et je comprends aujourd'hui. Elle voulait réveiller notre conscience. Elle voulait nous dire, cherche la face de Dieu. Un jour, je finirai ma mission et je partirai. Et vous allez rester avec un Dieu, le Dieu qui m'a parlé, qui m'a donné cette révélation. Et bien aimé, maman me disait, toi tu es condamné. Si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas la face de Dieu, on n'aura jamais de diplôme. C'est un système. C'est une condamnation. Bien aimé, au début j'étais un peu distraite. Quand j'ai commencé l'université, j'ai commencé maintenant à voir la condamnation. Il y avait des problèmes partout. Je suis allé en Afrique du Sud. Il y avait des problèmes partout. J'ai senti un blocage. J'ai fait une prière de 3 jours à 7. À l'époque, j'étais allé au Nigeria pour un stage. J'ai transféré là-bas parce qu'en Afrique du Sud ça devenait trop compliqué. Non, quand on a des timings, j'arrive au Nigeria, les problèmes ont commencé à l'université. J'entre en jeûne de 3 jours. Je me rappelle à l'époque la sœur Mariam. Sœur Mariam, elle était missionnaire au Nigeria. Je l'ai réveillée. Je dis à Mariam, moi j'ai un problème. Je vois que ses études, mais la condamnation que maman parlait là, je l'ai maintenant rencontré.
après. Et j'ai commencé à me rappeler de tout ce que maman me disait. Si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas mon Dieu, beaucoup échouer. Vous allez échouer. Cabino. Ils vont se moquer de vous. Tout ce qu'elle me donnait comme enseignement, comme un marteau, est revenu dans ma tête. J'ai fait une prière. J'ai dit Dieu, le Dieu de mes parents, soit tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Soit condamnation et l'équipe et l'équité. Le Dieu de mes parents, fais quelque chose. Plus cette condamnation qui me bloque. Donne-moi mon diplôme. J'ai fait cette prière. Et après, j'ai transféré pour faire mon stage ici à Kinshasa. J'arrive ici, j'explique à maman le problème. Papa et maman ont prié pour moi. Je suis en train de série de prières et de délivrance. Et puis après, je vais au Bell Campus pour transférer pour mon année de stage. J'arrive d'abord là-bas miraculeusement. Si maman est Emilie ici, je la bénis au nom de Jésus-Christ. C'est une maman du ministère qui travaille à l'administration là-bas au Bell Campus. Ce jour-là, elle était un ange pour moi. Dès que j'arrive, elle me regarde. Axa, toi ici. Elle se présente. J'ai compris que non. Ah, ma mère n'a vu ça si femme. Alors j'ai dit, maman, viens, je vais t'expliquer. Je l'explique mon cas. Elle me dit, tu vois cette condamnation là. Et si elle couait déjà. Moi, je vais t'aider. Tu vas faire ton stage ici et tu vas réussir. Bien aimé, j'ai commencé. J'ai commencé mon stage. À maman, il y avait des combats. Il y avait des combats. Et chaque fois, maman toujours nous réveillait. Il faut vous réveiller. Tu dois témoigner. Votre père a fait beaucoup d'études. Comme il était de la servitude, on vous a condamné. Bien aimé, j'ai pris la prière au sérieux. En avançant. Et j'ai fait mon stage dans la prière et je me concentrais dans les études. À un moment donné, dans mes prières, j'ai senti que l'appel commençait à monter. J'ai commencé à me parler par rapport à mon ministère. J'ai commencé à chanter et tout ça. Je vais parler à maman. Maman me dit, c'est bien de chanter. C'est bien de sortir des albums. Si tu veux être star, pas dans ma maison. Si tu veux être star, on l'écrit à la télévision. Ça, c'est pas ma vision. Moi, je te vois une grande servante de Dieu en train de chanter, les miracles se passent. En train de chanter, les aveugles voient. Moi, ta vision, là, il y a l'album, là, comprends, on a nous bien dit. Je ne comprends pas ta vision des albums. Et en plus, elle me dit, tu es à ta dernière année de stage. Maintenant, tu veux mélanger et les stages et l'album. Ah, moi, maintenant, j'étais fâché. Ah, moi, elle ne comprend rien du tout. J'ai voulu m'entêter. Et c'était maintenant la guerre qui avait commencé. Sans souci, c'était lequel? D'appliquer ce qu'elle nous a montré. Chercher la face de Dieu. Avoir des révélations, avoir un témoignage et servir Dieu avec un témoignage et chanter avec un témoignage. Un jour, papa m'a dit, tu sais Axa, si tu finis tes études, tu es médecin. Il y a des endroits où on va t'inviter pour chanter. Quand tu te mets debout, tu chantes. Il y a des millions qui disent, moi, ça va bien. Elle a fait quelle étude? Il y a des endroits où on va dire, elle chante bien, mais elle a fait quelle. Quand seulement on entend que tu es médecin. Papa m'a dit, dans ce ministère, tu vois tous les VIP que tu vois là. Certains sont venus parce que je suis ingénieur. Ils sont venus parce que je suis ingénieur. Axa, on veut t'emmener loin. Écoute. Mais comme le diable voulait me perturber, je voulais maintenant tout mélanger. Vous savez, des fois, quand l'appel vient, quand tu as la soif de ton ministère, si tu n'as pas un bon coach pour t'orienter, on a des ordres, et puis tu vois, échouer. Oh, les soucis des mamans. Elle voulait me former. Elle voulait que ce principe s'accomplisse dans ma vie. Et j'ai évolué comme ça. Je me suis concentré. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec distinction, avec 71%. Ce jour-là, je me rappelle, papa était venu jusqu'à l'université. Il est venu me féliciter. Il m'a embrassé. Il a prié pour moi. Il a dit, maintenant que la condamnation est finie. Tu peux maintenant chanter avec un témoignage. Parce que les enfants d'Israël, la Bible déclare, quand ils ont traversé la mer Rouge, après avoir vu comment les Pharaon et toute son armée étaient engloutis dans la mer, de l'autre côté de la mer, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer. Parce qu'ils avaient vu ce Dieu. Maman me disait, Koyem, après on a royé
même bataille. Mais chante pas juste pour chanter. Chante parce que tu as vu ce Dieu. Chante parce que tu as une expérience personnelle avec ce Dieu. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quand tu es médecin, si tu vas travailler, gloire à Dieu, mais c'est un titre qui te fait respecter partout. Et si tu veux servir Dieu, de la prédication, de l'adoration, sois dans l'intimité avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Applique le principe de 2 Chroniques 7 et le verset 14. Bien aimé, c'est un peu comme le cas de Jacob. C'est un peu comme le cas de cette femme pécheresse. Ces deux personnes dans la Bible qui avaient appliqué ce principe et qui ont vu la main de Dieu. Parce que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi en agissant fidèlement sur ce que j'ai prescrit à mon serviteur. Dans ce ministère, maman nous a montré tout. Elle nous a montré un vrai Dieu. C'est pourquoi elle disait des fois, vous ne connaissez pas ce Dieu. Moi au début je disais, pourquoi maman aime trop répéter ça? Parce que quand tu lis le même verset 14, il me déclare, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voici les promesses quand tu cherches la voie de Dieu. Voici ce que Dieu va faire quand tu le cherches. En intimité, il dit parce qu'il connaît mon nom. Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu l'as déjà goûté? Ou c'est juste par expérience? Ou c'est juste par habitude? Donc il y aura une adoration. La femme pécheresse, dans Luc 7, 36 à 50, Luc 7, 36 à 50. Vous allez lire à la maison. Luc 7, 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Genèse 32, 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. Ces deux cas. Le cas de Jacob et le cas de la femme pécheresse. Ce sont deux personnes qui avaient compris ce que maman nous a enseigné. Chercher l'intimité, prier, s'humilier. Ils ont vu la main de Dieu. D'ailleurs, le cas de cette femme pécheresse, elle s'était improvisée dans le rendez-vous que Jésus avait avec le pharisien. Elle est arrivée. Elle avait un problème. Elle était traitée de tout. Elle est arrivée au pied de Jésus. Et il me déclare au pied de Jésus. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. C'est ce que maman nous a enseigné. C'est la repentance. Et il me déclare qu'elle a versé ses larmes. Elle a reconnu qu'elle était devant un homme du surnaturel. Un homme qui était le Tout-Puissant, qui était capable de changer son histoire. Quand elle est arrivée, elle s'est humiliée. Elle a pris ses cheveux. Elle a pris son parfum. Elle a remis au pied du maître. Voilà les attitudes que notre maman nous a enseignées. Comme cette femme pécheresse. Et à la fin, Jésus lui dit, vas-y, tes péchés te sont pardonnés. Elle a été pardonnée. Elle a été exaucée. C'est ce que Dieu nous a montré dans ce ministère par la bouche de sa servante. Et le deuxième cas, c'est là où je veux chuter. Le cas de Jacob. Jacob avait un problème avec son frère. Il cherchait comment se réconcilier. Il a fait tout ce qu'un autre humain pouvait faire. Ça n'a pas marché. Mais la Bible déclare dans Genèse 32, 24 à 28. La Bible déclare que Jacob resta seul. Jacob resta seul. Loin de sa femme. Loin de ses bétails. Il est allé chercher Dieu. Il est allé prier. Il est allé s'humilier. Il est allé chercher la seule personne qui pouvait toucher son frère. Il est allé chercher la seule personne qui pouvait le sauver. Et il me déclare, Jacob resta seul. Ça, je vais quand même lire. Genèse 32, le verset 24. Jacob demeura seul.
Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Bien aimé, Jacob est resté seul dans l'intimité pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est ce que maman nous a enseigné. Maman nous a enseigné à chercher la face de Dieu, à nous humilier pour avoir des révélations, pour avoir la délivrance. Et la Bible déclare, il a lutté avec un homme. Cet homme, c'est l'homme de surnaturel. C'est l'homme, pour le voir, il s'est approché de lui. Comme il est écrit, approchez-moi de vous, je m'approcherai de vous. Jacob a compris le principe. Il est allé vers ce Dieu pour chercher sa face. Et il s'est manifesté. Ils ont lutté. Moi, cette lutte-là, je l'appelle la prière. Je l'appelle le fait de chercher la face de Dieu. Je l'appelle le fait de pleurer, de rouler sous le sol. Comme nos bien-aimés qui quittent souvent l'Europe pour venir entrer en prière ici au chapiteau, pour chercher la face de Dieu. Ils restent seuls, loin de leur famille, loin de leur maison, loin de leur confort, pour chercher le Dieu d'Olingui. Et c'est ce que Jacob avait fait. Jacob est resté seul. Il a lutté dans la prière, dans la prière. Bien-aimés, as-tu déjà vu Dieu se fatiguer d'une personne? Est-ce que Dieu s'est déjà fatigué de toi? Est-ce qu'un homme s'est allé à moto? Tellement qu'on dérangeait la prière. Tu as tellement tourmenté dans la prière. Simbaye, tu cherches à le toucher. Au Genève 21 jours. Tu l'as cherché. Tu t'es humilié. Tu as crié. Est-ce que tu as déjà bougé le cœur de Dieu? Est-ce que déjà Nzambe a vendu Wabi? Moi, on a coquillé. Est-ce que Dieu s'est déjà coquillé? On ne m'a jamais touché comme ça. On ne m'a jamais dérangé comme ça. Il est temps que j'agisse. Il est temps que je l'exauce. Bien aimé, cet homme n'a pas pu vaincre Jacob. Mais comme tu entres dans la présence de Dieu, en entre chaos, on sort OK. Jacob devait recevoir une marque de la part du Seigneur. Il devait recevoir une marque. C'est comme ça que l'ange, cet homme, l'a frappé à l'emboîture. Et Dieu a changé son nom. Et il est clair qu'il était frappé à l'emboîture. Physiquement, on peut dire que Jacob, quand il était entré en prière, il marchait normalement. Mais quand il est sorti, il fallait que les gens se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu marchais bien, tu es sorti. C'était la marque qui prouvait que Jacob a vu Dieu. C'était la trace qui marquait que Jacob avait vu le Seigneur. Bien aimé, quand tu viens dans ce ministère, tu dois recevoir une marque. Et cette marque, c'est le témoignage. Cette marque, c'est le témoignage. Moi, aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme. J'ai reçu la marque de Jésus. Le Dieu de l'Angui m'a visité. Le Dieu de mes parents m'a visité. Et il ne s'est pas arrêté là. Maman, quand papa est parti, maman dit, on doit faire une grande célébration. On doit adorer le Seigneur. On doit louer le Seigneur pour la vie de papa. Je pense maintenant qu'il est temps. Je pense maintenant qu'il est temps. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons le louer. Je te donne l'autorisation d'organiser une grande journée. Si vous allez inviter des musiciens, invités, nous allons aider. Et je te bénis. Et à cette occasion, ça sera ta sortie. Dieu va visiter les âmes. Au travers de ton ministère, Dieu va se glorifier. Bien-aimé, j'ai eu la réponse à mes inquiétudes. Je pensais au début que ma mère était contre moi. Mais elle voulait me former. Elle voulait m'enseigner. Elle voulait que je raconte la Mozindo, comme elle le disait toujours, pour que je voie la face de Dieu. Et ce temps où rien n'était facile, j'ai été enseigné. J'ai été formé. Et j'ai compris beaucoup de choses. Moi j'ai reçu ma trace. Moi j'ai reçu ma marque. Moi j'ai eu mon témoignage. Nous aussi dans ce ministère, nous avons eu des témoignages. Maman m'obère un témoignage puissant de la stérilité à la fécondité. Dieu a visité les jeunes dans ce ministère. Des célibataires ont été mariés. Comme Jacob, nous sommes entrés. Nous avons cherché la face de Dieu. Et Dieu nous a touchés. Dieu nous a touchés. Il a donné des marques de victoire, des marques de témoignage. Pour ceux qui sont dans ce ministère, ceux qui n'ont encore rien vu, moi je déclare ce soir, le Dieu d'Olingui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que je suis en train de parler, tu reçois ta marque, tu reçois ta trace, tu reçois ton témoignage. Alors que je suis en train de parler, que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie,
quand tu vas me regarder sur YouTube, même si tu n'es pas du ministère, ce Dieu d'Olingi va te toucher maintenant. Et tu vas recevoir ta marque. Tu vas recevoir ta marque. Parce qu'il est le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu de l'Alliance. Il a travaillé avec eux. Ils sont partis. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Dieu est là ce soir. Et pour chuter, comme on nous a dit, fortifiez-vous. Premièrement, en mettant en pratique ce que les parents nous ont laissé. Comme ce que Dieu avait dit à Josué. Il a dit en agissant fidèlement. Là, c'était le premier point. Et j'ai en profité, j'ai parlé de mon témoignage. Le tout dernier point, c'est là où nous allons chuter. Genèse 45, le 27e. Verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Amen. Amen. Quand on m'a remis ce thème, depuis le lundi, fortifie-toi. J'étais à la retraite des engagés. Maître Olivier a enseigné. Le frère de Dieu du ciel aussi a exhorté. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi encore. Nous sommes, Maître Olivier avait dit, nous sommes tous, après les parents, on croyait que c'était la désolation. Maître les gens étaient stressés, frustrés. Mais Dieu nous dit, fortifiez-vous. J'ai dit, premièrement, Dieu veut que nous puissions nous fortifier en agissant fidèlement à ce que Dieu avait mis dans la bouche de ses serviteurs. C'est ce que je viens d'épingler. Et le deuxième point, quand j'ai lu ce verset, Jacob, il a vu Dieu face à face. Face à face. Il avait déclaré, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. Il a lutté avec l'homme du surnaturel. Il a reçu une marque. Il avait un témoignage palpant de ce Dieu. Il avait vu ce Dieu. Mais le jour où on avait appris que son fils était enlevé, que son fils était mort, il avait oublié qu'il avait vu Dieu face à face. Il était mort en esprit. Il était abattu. Il était désespéré. Un homme qui a vu Dieu, un homme qui a lutté avec les anges, un homme qui avait un témoignage puissant, un homme qui avait une expérience personnelle avec Dieu, a trembloté, a été ébranlé à cause de son fils qu'il aimait beaucoup. C'est comme dans ce ministère. Nous avons eu le témoignage. Nous avons vu le Dieu de ses parents dans nos, le Dieu de parents dans nos vies. Le Dieu de maman et papa Olingi. Il a fait des grandes choses. Mais le jour que nous avons appris que papa était parti et ceux qui parlaient en langue, les grands serviteurs de Dieu de ce ministère, tout le monde était ébranlé. Tout le monde tombait par terre. Tout le monde s'est posé des questions. Mais c'est quoi? Ça ne s'est pas arrêté là. On a enterré papa le samedi. Donc on dit papa samedi. Un certain lundi à 23h. Lundi na butu, notre chère maman part. Maman au film Otonine. Au théâtre Otonine. Ça, c'est un film, au quoi? Cinéma Otonine. Ça, c'est quoi? Bien aimé, les gens tombaient de partout. Les gens qui ont vu ce Dieu. Ils avaient même oublié que Nzambe allait à Zalaka. Les gens commençaient à rouler par terre, à crier. Ça veut dire que en esprit, on était devenus faibles. En esprit, on était tous dans le choc. En esprit, on était tous stressés. Mais ce soir, Dieu nous dit de se fortifier. Pas seulement par les enseignements que nous avons reçus des parents. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jacob. Quand on lui a appris que Joseph était en vie, la Bible déclare, oh mon Dieu, leur père se réanima. Il y a des médecins ici. Hein? La définition de la réanimation. Réanimation. La réanimation, c'est l'ensemble des moyens utilisés par les médecins pour prendre en charge les personnes dont les fonctions vitales sont grandement compressées ou compromises et qui peuvent entraîner à la mort. Ça, c'est pour les humains. Maintenant, Jacob, humainement, il était fort, il vivait. Mais depuis le jour, depuis ce jour-là, c'était un deuil éternel. En esprit, il était effrondé.
En esprit, il était déjà mort parce qu'il s'inquiétait. Mais c'était un homme qui avait vu Dieu, qui avait un témoignage avec Dieu. Mais son esprit, son âme était affectée. Mais ce jour-là, la Bible déclare que son âme et son esprit étaient réanimés. Bien aimé, les médecins de ce monde ne peuvent que réanimer le corps. Les médecins de ce monde ne peuvent que réanimer le corps. Mais il y a un médecin par excellence. Lorsqu'il descend, il touche l'âme, il touche l'esprit. Et lorsqu'il te touche, il te réanime. Et ce soir, Dieu nous dit, fortifiez-vous en agissant fidèlement à la vision du couple Langui. Et deuxièmement, restez en intimité pour recevoir le Saint-Esprit qui va réanimer votre esprit, qui va réanimer votre âme, qui va vous fortifier. Parce que nous tous, en esprit, on était tous ébranlés. Notre esprit était affecté. Notre âme était affectée. Mais le Dieu qui a réanimé l'esprit de Jacob, il est présent ce soir. Ce soir, c'est l'adoration de la réanimation de l'esprit. C'est l'adoration de la réanimation de l'esprit. Dieu est en train de souffler sa vie. Dieu est en train de souffler le vent de la vie dans ton cœur, dans ton esprit. Tu te posais plusieurs questions. Moi, pendant le deuil, beaucoup m'ont critiqué. C'est vrai que ça allait la rater. Mais c'est vrai que ça, elle pleure pas. Elle est trop dure. Elle ne pleure pas. Bon, excusez-moi. Moi, je reste beaucoup dans l'intimité. Le jour que papa est mort, j'ai pleuré seul dans ma chambre. J'ai pleuré tellement amèrement. Et quand je suis sorti, j'ai composé la chanson. J'étais déjà affecté dans l'esprit. Mon esprit était déjà réanimé. Dieu m'a dit, c'est le début du commencement. Mon serviteur est parti. Oui, ça fait mal. Mais je ferai encore de grandes choses dans ce ministère. Bien aimé, dans l'esprit, moi, j'étais fortifié. Psychologiquement, j'étais fortifié. Je pouvais pleurer dans ma salle de bain, dans la chambre. Mais quand j'entrais ici, le jour que le corps de maman entrait ici, pas tout sous charnel, hein. Il pensait qu'il était à corne et télémacaron. Bien aimé, le fait que le corps de la servante de Dieu a été exposé ici, au devant de l'autel, où elle a servi son Dieu, où elle priait pour les gens, où elle bénissait les gens. Voilà, j'étais assise, hein. Je disais, je reçois l'onction. Je reçois le manteau. Vous pleurez, vous criez. Moi, dans mon esprit, je priais. J'ai dit, Seigneur, cette femme, elle a impacté. Moi aussi, je vais impacter. Cette femme, elle a bougé le monde. Moi aussi, je veux bouger le monde. Je reçois l'onction. Moi, je parlais en langue. Je pleurais dans mon cœur. Mais dans mon esprit, j'étais déjà réanimé. Et je voyais le spirituel. Je voyais les grandes choses. Bien aimé, toute personne qui est ici ce soir, à cette adoration, il y a l'onction de la réanimation. Il est présent pour te réanimer, pour te toucher. Il est présent, bien aimé. Je t'ai abattu. Tu pleurais. Tu te posais des questions. Une personne qui est réanimée spirituellement ne va pas se dire, oh, après maman Langui, c'est les déliches. Non. Quand tu es réanimé spirituellement, tu parles des paroles positives. Tu déclares la bénédiction. Tu déclares le positif. Quand tu y es vacciné par l'esprit, tu déclares des choses à venir. Dans ce ministère, il y aura des JCC qui vont se mettre ici. Alors qu'ils seront en train de prêcher, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, et l'onction de Dieu sera répandue. C'est savoir spirituellement, c'est ça être réanimé spirituellement. Une personne qui est fortifiée, qui est réanimée dans l'esprit, ne vois pas les choses de charnellement. Il va se dire, tu es là, il va nous aider. On a des collèges qui sont ici. Les papas Jeff sont là, les papas Maubert sont là, les papas Josué sont là, les mamans Kembolo sont là. Ils ont été informés, ils ont été enseignés. C'est vrai que c'est pas facile, mais avec Dieu, notre Simbana et Longo, nous allons avancer ensemble et ce ministère ira encore loin. Il est présent. Il est présent, bien aimé.
Il est présent, bien-aimé. L'onction de la réanimation est là. L'onction de la réanimation spirituelle est là. Tu étais abattu. Oh yes, God. Ce soir, Dieu te dit, fortifie-toi. L'Esprit de Dieu est là. C'est comme Papa Ito avait prêché. Il a dit, les disciples sont restés dans la chambre haute pour commencer à prier, pour dire, Esprit de Dieu, viens, viens nous fortifier, viens nous réanimer spirituellement. Dans la chair, les alliés passent. Dans la chair, les alliés passent. Mais Dieu nous réanime spirituellement. Viens ouvrir nos yeux spirituels. Viens ouvrir nos oreilles spirituelles pour voir ce que tu veux nous enseigner, pour voir ce que tu attends de nous dans 5 ans, dans 10 ans. L'onction est là, bien-aimé. Là où tu y es, lève-toi. Comment déjà désirer la présence du Saint-Esprit? Comment déjà désirer l'onction du Saint-Esprit? Comment déjà désirer l'onction de la réanimation? Il est là, bien-aimé. Toi qui étais affaibli, il te touche maintenant. Toi qui étais bougé, il te console maintenant. Il te réanime maintenant. Il te parle maintenant. Il te donne des visions maintenant. Il te dit ce que va devenir ce ministère. Ceux qui sont charnels, ils critiquent. Ils se moquent des gens. Ils disent du n'importe quoi. Mais ceux qui sont réanimés spirituellement, ils savent quoi dire. Ils savent quoi parler. Ils savent quoi répondre aux païens. Ils savent comment se comporter. Même dans ce ministère, ils savent quoi ne pas dire et quoi dire. Bien-aimé, sois réanimé spirituellement. Lève-toi si Gozali, papa. Lève-toi si Gozali, Mbandate. Ça, c'est les habitudes. Le Saint-Esprit n'est pas dans les habitudes. Pendant que je parle, il est en train de faire. Adon Sala déjà. Ceux qui ont fait qu'elle aille en adoration. Alors que je parle, sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit. Dans cette adoration, lève seulement ta voix. Dis seulement, je reçois l'onction de la réanimation spirituelle. Seigneur, je t'adore. Je te loue parce que tu me réanimes maintenant. 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 Il te réanime. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, mon Zambé, merci d'être là. Élève seulement ta voix, commence à parler. Dis au Saint-Esprit de te réanimer, de te fortifier, de te réanimer spirituellement. De te réanimer spirituellement. De nous réanimer spirituellement. Parce que nous voulons voir le spirituel. Adore seulement le Seigneur. Tu lui Père, je t'adore. Parce que tu me réanimes ce soir. Comme tu as réanimé Jacob, tu t'avais vu, mais tu étais ébranlé à cause de la nouvelle. Tu me réanimes. Merci car tu nous réanimes. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'être là. Merci d'être là. Nous allons chanter la chanson du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Esprit de feu, viens. Esprit de Dieu, dans cette adoration. C'est une adoration spéciale. Où Dieu est en train de faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Moli mona nzambe kita ya solo ki oh moli mona nzambe tobele lio moli mona moto. Yaka kiti sangu yana yona pokwa yalelo Moli mona nzambe Moli mona moto. Il est là, bien aimé. Merci Seigneur de nous réanimer. Oh ya solo kita ya solo. Moli mona nzambe kita ya solo kita toto moli mambo koto zeli se yo kita
Molimo nazambe Molimo mosanto Kita ya solo kita Bele mara mitema totale liyo Kita Molimo nazambe Kita Molimo mosanto que mona yo samena nga e que mo ya ya e yo samena liase yo tona nangu ya e Nanyoso, osali elonga, namo moya bana e, kemo, ya ya, kolo, yonde yonzamba Josue yoko maya biso, otona bolingo, moyo kalo samo e, ya ya, kolo e. Sungi morene, osali elonga, na bomo ina bana e. Ya ya, elome, kolo. Biseto pamboli yo, mosantu na lora, elome bobali, osali maramwe. Ya ya, kolo. Santo batomboli yo na poko leloyo yo zambe na ksa toyo kiyo eloe Yahweh kolo e Yahweh yonde mo pesi a diplome batomboli yonde mo santo na lola osali elonga e Yahweh zambe Zambe na liase tokumba melio osali maramwe ya ya elome ya we mosantu tone tolio likolo na nyoso otona bolingo ya zambe maramwe ya ya kolo So osali elonga ya papa na bana ye kembonayo kembonayo yawe kembonayo na poko leloyo osali elonga ya papa na lora ye Yosambe morene ye Kembonayo ya ya Elome ya ya Naligira mona Kolo naligira mona Naligira mona yo Naligira mona Mosanto chona bolingo ye Sabe
beranga kaira ta toli elome alors que tu adores, le Saint-Esprit est là. Que tu sois en Europe, en Amérique, en Asie, tu nous suis sur Internet, le Saint-Esprit de Dieu est là. Je veux demander aux encadreurs de monter, Maître Jonathan, Maître Olivier, de monter sur le podium. Nous allons maintenant désirer la présence du Saint-Esprit. Papa Jeff Malobo, Papa Maubert, montez sur le podium. Le peuple de Dieu a besoin d'être réanimé ce soir. Le peuple de Dieu doit rentrer à la maison réanimé spirituellement. Nous allons désirer la présence du Saint-Esprit. C'est une adoration spéciale. Ce n'est pas une adoration d'habitude, mais c'est une adoration spéciale où le Saint-Esprit veut nous réanimer. Tu désires seulement la présence du Saint-Esprit. Alors que les papas vont faire de fortes déclarations. Alors qu'on est en train de faire de fortes déclarations. La puissance de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Pour nous toucher. Pour nous réanimer. Les médecins de ce monde nous réaniment avec des outils de ce monde. Mais ce soir, c'est l'adoration de la réanimation spirituelle où Dieu est en train de répandre son esprit pour nous réanimer, pour nous réanimer. Nous élevons nos mains dans la présence de Dieu pour désirer la présence de Dieu. Alors que papa sera en train de faire les déclarations. Oh Jésus, merci. En suivant l'intervention de notre fille, le docteur Axa, il nous a parlé de deux grandes choses. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. En agissant fidèlement. Ce que papa et maman nous ont enseigné. Dieu te donne un ordre impératif. Il n'a pas dit à quiconque d'entre nous, je vais te fortifier, non. Je vais t'encourager, non. Un ordre impératif en disant à Josué, fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement. Tu perds comme le Seigneur. C'est ça que le docteur Axa vient de nous dire. Deuxième chose, il a dit, il a défini la réanimation attaque médecin. Mais nous avons un grand médecin. Le Dieu de papa et de maman Olangi. C'est le grand je suis. Mais ils n'ont pas attendu. Papa et maman Olangi nous ont présenté le grand je suis. Je suis. Qui appelle à l'existence les choses qui n'existent. Les choses qui n'existent pas. Alléluia. Il peut ramasser quelqu'un de la poussière pour le feu général. Il peut ramasser quelqu'un de la poussière au magistrat. Il peut ramasser quelqu'un de la poussière. Quelqu'un qu'on a coupé même les trompes. Et il lui donne la prochaine. Akame. Acclamé. Acclamé. Cette adoration. Toi qui me suis. À travers les médias. Au nord. Au sud. Alors, à l'est. À l'ouest. C'est une adoration. Des réanimations. Ainsi parle le Seigneur. L'Esprit de l'Éternel.
te saisira. Te saisira. Et tu prophétiseras. Tu deviendras une autre personne. Car l'Esprit de Dieu réanime la vie d'une personne. La personne qui est un homme naturel. La personne devient une personne surnaturelle. Tu deviens surnaturel. Tu n'as pas attendu. Tu deviens surnaturel. Tu deviens surnaturel. À dater de ce jour, toi qui me suis, tu deviens un homme surnaturel. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Quand il nous a parlé de notre frère Jacob dans la Bible, qui était désespéré, qui n'a pas vu la tombe de son fils Joseph, qui ne savait même pas où le retrouver, mais il savait seulement qu'il était mort. On l'a amené l'habit déchiqueté, rempli de sang. Il a crié à la mort de son fils. Il était couché au sol. Il était là dans le désespoir. Mais un jour, on a amené le message venant de l'Égypte, qu'on a retrouvé Joseph vivant. La Bible dit que son esprit se réanima. Et je sais qu'à partir de ce soir, aujourd'hui, nous avons entendu parler de la bouche de la fille directe de Maman Olangi. En la voyant monter sur le podium, tout le monde s'est posé des questions. Qu'est-ce que Axa va dire? Mais quand elle a parlé, nous avons vu Maman Olangi parler en elle. C'est l'Esprit de Dieu qui a passé par Axa pour nous réanimer. Pendant que le peuple de Dieu lève les mains, l'Esprit de réanimation est de nous saisir. Même si que chacun de nous était dans le désespoir, comme au départ de Jésus-Christ, les disciples ne savaient quoi faire. Mais ils ne savaient pas que tout le temps qu'ils étaient en train d'insister Jésus, il y avait l'onction de Jésus-Christ qui descendait en eux. En eux, Seigneur, et chaque fois qu'ils étaient à côté de Jésus, ils étaient en train d'observer comment Jésus opérait le miracle. Il y avait l'onction qui descendait. Et quand les maîtres n'étaient plus, c'était le moment pour les disciples de commencer le travail. Et moi, je crois que le moment propice a commencé aujourd'hui à la clôture de la jeunesse pour le séminaire. Je sais que chacun de nous, au retour dans leur maison, il y a une réanimation. Celui qui n'arrivait pas à se tenir debout, se tient debout maintenant. Celui qui n'arrivait même pas à prier, parce qu'il y a d'autres, depuis le départ de papa et maman, ils n'arrivaient même plus à prier. Quand ils ont commencé à prier, deux mots, trois phrases, la prière s'arrête. Mais moi aujourd'hui, je crois que tout le monde reçoit l'onction de la prière, l'onction de l'humilité, l'onction de la compassion, l'onction de l'amour, l'onction qui était dans papa et maman Olangi. Le Saint-Esprit est descendu. J'appelle le Saint-Esprit le leader des leaders. Le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre au temps de Jésus après le départ de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a commencé le travail.
travail. Et le Saint-Esprit a continué jusqu'à arriver à nos jours. Le leader de notre génération, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Axa, après sa prédication, elle a invité le Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est là. Le leader de leader est là. Il est venu réconfronter. Il est descendu pour donner la force, pour donner l'énergie, pour donner la capacité, pour donner le pouvoir. C'est qu'on ne pouvait pas faire hier. Aujourd'hui, nous allons le faire. C'est pourquoi je te bénis, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis. Je vois la guérison. Je vois la délivrance. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes sont en train de tomber. La délivrance de son père. Il y a des gens qui sont des tombes. Les gens sont en train de tomber. Télé à tombeau. Il y avait l'esprit de mort. L'esprit de mort nous quitte. L'esprit de mort nous quitte. La mort spirituelle est en train de libérer les peuples de Dieu. Merci pour la délivrance. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, le Dieu de papa et de maman Olangi. Nous te bénissons. Le Dieu de la jeunesse qui nous a surpris. Ça, c'est une surprise agréable. Et nous acclamons le Seigneur pour ça. Et nous poussons des cris pour ça. Ah, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Merci. Chère Saint-Esprit. Anda bailo santo. Olo senda baila baila baila. Oui amaya mailo kobo ilo senta. Oui jende bele 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 eka mailo santo. Oui Seigneur ona maila kaya mailo soko boilo shinda. Beni eka mailo soko bobo yanda baila senda. Ne ke maila sente. Beni. Ne. No, que me il est sende. Oh Jésus, nous bénissons ton nom, Jésus. Oh ya kaya mailo santa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Les dieux de Moïse, les dieux de papa et maman Langui, tu es notre Dieu. Oh, Ndabailo Sanda, oh Esprit de Dieu, laisse que tu te meubles, laisse que tu mouves ton aile au-dessus de ton peuple, que tu touches nos cœurs. Que nos cœurs ne se troublent point. Que nos cœurs ne se troublent point. Que nos cœurs ne se troublent point. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Cher Saint-Esprit, témoigne de la puissance de Dieu dans ses ministères. Que le Saint-Esprit te touche. Que l'Esprit de Dieu te ranime maintenant. Que l'Esprit de Dieu te ranime maintenant. Toi qui étais faible, que le Saint-Esprit te ranime maintenant. Qu'il te fortifie maintenant. Qu'il te donne le courage maintenant. Toi, maman qui étais affaiblie, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Merci, Sandabailo Santo. Le Saint-Esprit te touchera et tu seras changé, transformé. Tu deviendras une nouvelle personne. Que maintenant, Seigneur, nous puissions nous lever parce que tu as fait la promesse que nous puissions traverser le Jourdain par la puissance du Saint-Esprit et que nous puissions posséder les pays par la puissance du Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que ce que l'homme ne peut faire, toi tu vas l'accomplir pour la gloire de ton nom. Il y a une puissance au nom de Jésus. Nous levons nos mains dans la présence de Dieu. Avant la puissance de Dieu. C'est une chanson qui dit Zame Nabiso Ayanola Kanamoto. Ayanola Kanamoto, il veut nous embrasser des enfers en ce lieu. Lève seulement tes mains, réalise qu'il est présent. Comme le papa vient de prier, il est présent au milieu de nous. Zambé Nabi soit ton danguya, ayano la kana moto. Zambé Nabi soit ton danguya, ayano la kana moto. Ayano la kana moto.
touche maintenant. Pour ceux qui parlent en langue, élève ta voix, commence à parler en langue, il est en train de t'affecter. Saint Benabiso, à ton dangoui, on chante ensemble. Il est présent au milieu de nous. Merci d'être là. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci d'être là. Merci Jésus. Reste calme, il est là, il te touche maintenant. Il te touche maintenant, il te visite maintenant. Il te réanime maintenant. Au premier compartiment, il est là. Au deuxième compartiment, il est là. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, il est en train de toucher maintenant. C'est une adoration spéciale de réanimation. Dans trois minutes qu'il reste, il est en train de te toucher. Il t'ouvre les yeux spirituels, il t'ouvre les oreilles spirituelles. Le ciel s'ouvre maintenant et il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te réanime maintenant. Que tu sois en Europe, en Australie, en Amérique, il te réanime maintenant, il te touche maintenant, tu étais abattu, il te fortifie, il te console maintenant. Il est là, il est présent. Alléluia. Tu chantes cette chanson, il te touche. Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, alléluia Shiloh, merci Seigneur. Oui tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Merci pour ton amour, ta fidélité Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le réalises toujours. Tu es le Dieu de l'alliance, le Dieu du couple Olingui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans la Bible, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, aujourd'hui en RDC à Kinshasa, à la cité de triomphe, le Dieu du couple Olingui. Un Dieu qui est puissant, qui change les vies, qui change les destinées, qui touche, qui transforme, qui fait des miracles, qui visite divinement. Nous te lèvons, Seigneur, nous te magnifions, nous saluons ta présence. Et ce soir, Seigneur, spécialement, le Dieu de la JCC. Le Dieu de la jeunesse, le Dieu de la JCC, nous t'acclamons. Le Dieu de la JCC, nous poussons des cris de joie. Toi qui dis dans ta parole que c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que tu as formé ta gloire, que tu as fondé ta gloire. Nous proclamons ce soir que la gloire de ce ministère vient de la JCC.
La gloire à venir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans vient de la JCC. Et nous croyons ce soir que de la jeunesse chrétienne combattante, des hommes de Dieu, des vaillants héros, des servants de Dieu, des ministres, des hommes d'affaires vont impacter leur génération, Seigneur. Et à l'aide du Saint-Esprit, nous irons loin. Nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. Merci pour la vie de la CIFMC et du Centre Péniel. Merci pour la consolation. Merci pour la réanimation spirituelle. Merci car dans nos maisons, nous rentrons avec la joie. Nous rentrons consolés. Nous rentrons fortifiés. Nous rentrons avec la paix. Ayons l'assurance que tu nous as touchés, que tu nous as consolés. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Car nous savons que cette semaine est une semaine de gloire. L'ennemi est sous nos pieds, les plans des ténèbres sous nos pieds, la malédiction sous nos pieds, les programmes d'accident, d'esprit de mort sous nos pieds. Cette semaine est déclarée une semaine de réanimation spirituelle dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. C'est une semaine de réanimation spirituelle, nous le croyons.